Salut à tous, j'espère que vous allez bien, que vous passez une super journée. Je vous retrouve aujourd'hui sur la chaîne YouTube pour une nouvelle vidéo revue. Et aujourd'hui, je vais vous parler du très célèbre en ce moment livre 13 raisons de Jay Asher, paru aux éditions Albin Michel dans leur collection Wiz. Ce livre-là, je pense que vous avez difficilement pu passer à côté puisque c'est le livre qui a inspiré l'adaptation Netflix avec la série télé 13 Reasons Why, et je pense qu'à moins de vivre dans une grotte profonde, dans une taupinière, il est assez difficile de passer à côté de cette série télé et de ce livre parce que c'est un petit peu le truc du moment, ce que tout le monde regarde, ce que tout le monde a vu. Mais comme d'habitude, pour ma part, j'ai quelques wagons de retard, mais ça ne me dérange absolument pas. Cette série fait beaucoup de bruit, donc bien évidemment, c'est quelque chose qui m'a un petit peu titillé, qui m'a intrigué. Ce livre-là était à la médiathèque, donc je me suis dit ce serait un petit peu ballot de pas le découvrir alors que j'ai pas forcément besoin de l'acheter, je peux simplement l'emprunter à la médiathèque. Et donc du coup, s'il ne me plaît pas, bah, j'aurais pas déboursé un centime, ce qui est plutôt l'avantage de la médiathèque, et je dois dire heureusement parce que finalement, je ressors de cette lecture un petit peu mi-figue mi-raisin, on va dire. Autant il y a des points que j'ai beaucoup appréciés et d'autres points qui m'ont clairement pas du tout plu et même dérangé, on va dire. Pour vous résumer très rapidement l'histoire, dans 13 raisons, on suit le personnage de Clay Jensen, qui est un jeune adolescent qui est marqué par le suicide d'une de ses très proches amies il y a peu de temps. Un jour, il va rentrer chez lui et il va trouver un courrier un petit peu particulier, un courrier qui lui est destiné, mais il n'y a pas d'expéditeur. Alors ça, c'est un petit peu bizarre, ça va tout de suite l'interpeller. Mais bon, il va quand même l'ouvrir, hein. Qui ne l'aurait pas fait? Il va quand même regarder ce qu'il y a dedans. Et il y a à l'intérieur 7 cassettes, chacune numérotée sur chaque face d'un numéro. Je dis des cassettes, il va falloir que je les écoute, il va falloir que je trouve quelque chose pour les écouter, parce que maintenant, qui utilise encore des cassettes à part un de ses meilleurs amis? Et ben, plus grand monde. Il va trouver de quoi écouter les cassettes, et quelle ne va pas être sa surprise en découvrant qu'il s'agit de cassettes enregistrées par Anna Baker. Ces cassettes concernent 13 personnes, 13 personnes qui auraient contribué à son suicide, et s'il est en possession de ces cassettes, c'est qu'il apparaît dessus et qu'il est donc une personne ayant contribué à son passage à l'acte. La première personne a reçu les cassettes et a eu ensuite pour mission de la passer à la deuxième personne mentionnée dans l'ordre des cassettes en fait. Je ne sais pas vraiment si mon résumé fait sens, en tous les cas dans mon esprit c'est assez clair. Et c'est toute cette histoire que l'on va suivre à travers les cassettes que va écouter Clay et à travers son périple qu'il va faire dans la ville, puisque dans son casier, il a aussi reçu une carte de la ville avec des croix rouges. C'est un petit peu une sorte de pèlerinage tout en écoutant les cassettes dans la vie d'Anna Baker que va faire notre protagoniste et bien évidemment que nous allons suivre à ses côtés, tout en attendant avec grande impatience et un petit peu d'angoisse le moment où lui va apparaître à son tour sur les cassettes et où il va découvrir le pourquoi du comment il a contribué au suicide d'une personne qu'il aimait énormément et il a aucune idée de comment est-ce qu'il aurait pu y contribuer. Il ne sait absolument pas, pour lui il n'a absolument rien fait de mal. Comme je le disais, je ressors de cette lecture assez mi-figue mi-raisin, voilà, il y a des choses que j'ai bien aimées et d'autres qui... voilà, qui m'ont un petit peu énervée. Donc on va commencer par le positif, hein, parce que moi je trouve que c'est toujours plus sympathique de commencer par le positif, n'est-ce pas? J'ai beaucoup aimé le concept. C'est vrai que cette histoire de cassette qu'on se passe secrètement un petit peu sous le manteau, qu'on s'envoie sans adresse d'expéditeur d'un personnage à l'autre, je trouve ça super original, c'est une chose que je n'avais jamais vue. Et peut-être que c'est un petit plus, que j'ai plus apprécié cette histoire de par les cassettes qui circulent, qui est un fait original, plutôt que juste l'histoire d'Anna Baker, le pourquoi du comment elle en est arrivée à son suicide. Même si ça aurait été juste une simple histoire du pourquoi du comment, ça m'aurait beaucoup touchée aussi, parce que l'auteur parle de quelque chose de très important, il s'agit du harcèlement scolaire, une chose face à laquelle il faut lutter, une chose qui existe malheureusement et qui ne devrait absolument pas exister, et elle le traite très bien je trouve dans ce livre, elle amène une très belle et une très importante morale surtout, qui est qu'il ne faut pas écouter les rumeurs, il faut plutôt apprendre à connaître les personnes et démêler soi-même le vrai du faux, plutôt que partir de base que la rumeur est 100% vraie, puisque généralement c'est plutôt des fabulations, des inventions de personnes jalouses, de personnes malhonnêtes en tous les cas, et ça approche plus du 100% faux que du 100% vrai. C'est vraiment ce que je retiens de ce livre, c'est une très belle morale, une morale très bien amenée si je puis dire, d'une manière assez originale,
Et voilà, ce livre m'a beaucoup touchée parce que le suicide chez les adolescents, le harcèlement scolaire, c'est des choses, comme je le dis, face auxquelles il faut se battre. C'est pas parce qu'on n'est plus au collège qu'on n'est plus au lycée. C'est pas parce que ça nous arrive plus que c'est des choses qui n'existent plus. Il faut se battre constamment, qu'on ait 10 ans, qu'on ait 15 ans, qu'on ait 20 ans, qu'on ait 30 ans, 40 ans, je ne sais pas. C'est des choses qui ne devraient pas exister, donc des choses face auxquelles il faut lutter. On peut chacun lutter à notre échelle face à ça et. Voilà, j'avais juste envie de faire cette petite parenthèse et je trouve que c'est un sujet qu'a très bien abordé l'auteur à travers un concept très original et à travers un personnage principal très attachant. Le personnage de Clay est un personnage pour lequel j'avais beaucoup d'empathie, un personnage que j'aurais peut-être aimé découvrir un petit peu plus en profondeur, c'est vrai, mais voilà, c'est ce genre de personnage qu'on a envie de prendre dans ses bras, de dire mais t'inquiète pas, mais tout va bien se passer, même si on n'en a absolument aucune idée. On ne sait pas ce qu'il a fait pour contribuer au suicide d'Anna, tout comme lui ne le sait pas. Et c'est vrai que ça a créé une atmosphère un petit peu anxiogène, parce que nous aussi on attend avec impatience et à la fois avec un petit peu d'angoisse de savoir le pourquoi du comment et on a peur pour lui parce que petit à petit, au fil des pages, on s'est attaché à ce jeune adolescent. Tout ça, c'est les points que j'ai vraiment beaucoup aimés dans le livre. Après, comme je vous le disais, j'en sors mitigée, donc bien évidemment, il y a des points que j'ai un petit peu moins aimé et déjà c'est l'écriture de l'auteur, j'ai pas forcément adhéré et surtout au style de narration qu'il a choisi. C'est un style de narration un petit peu particulier. Déjà, on va vous signaler comme ça qu'on change de cassette, mais mis à part ça, ce qui n'arrive pas très souvent puisqu'il n'y a que 7 cassettes et 2 faces à cette cassette, donc je suis nulle en maths mais je vous laisse faire le calcul, c'est pas vraiment très très souvent, il n'y a pas de chapitre. Voilà, c'est d'une traite et ça m'a assez dérangée. Et en plus, c'est un style de narration un peu particulier, comme je vous le disais, parce que on a des passages en italique qui sont donc la transcription de ce que dit Anna dans les cassettes au moment où Clay les écoute. Et ensuite, on a en écriture normale ce que Clay pense à ce moment-là, ce que Clay fait à ce moment-là. Et on passe de l'un à l'autre sans vraiment de transition, sans même du tout de transition. Et au début, c'est un petit peu perturbant. On s'y habitue petit à petit, mais moi, j'ai pas du tout adhéré à ce style de narration. J'ai trouvé que ça m'empêchait de ressentir des émotions que du coup, j'aurais peut-être plus ressenties sans cette originalité, en ayant simplement un récit plus linéaire, si je puis dire. De la vie d'Anna, de sa scolarité, de ce qui s'est passé pour arriver à la fin du livre à son suicide. Là, on a pris l'autre sens, elle s'est déjà suicidée et on revient petit à petit aux raisons du pourquoi du comment. Et je trouve que cette narration, la manière dont ça a été fait, ça m'a empêchée de ressentir certaines émotions. Mine de rien, j'ai quand même été révoltée par certaines choses. Je pense des choses face auxquelles il est impossible de ne pas être révoltée. Des passages qui m'ont vraiment chamboulée, qui m'ont vraiment remuée. Et ça m'a d'autant plus remuée de me dire que c'est des choses qui existent réellement. C'est des choses que des tas d'élèves vivent quotidiennement et qu'ils ne devraient pas vivre. Vraiment pas. Ça ne devrait absolument pas exister. Et voilà, c'est ce. Pour lequel, ce pourquoi, pardon, j'en perds mes mots, c'est horrible. Ce pourquoi l'auteur lutte à travers ce roman et face auquel nous devons aussi lutter. Ça, je ne peux pas nier que c'est des sujets importants, c'est des histoires qui m'ont remué, c'est des choses qui existent et face auxquelles on ne peut pas rester insensible. Mais je m'attendais à tellement plus, je pense que peut-être j'avais mis la barre un petit peu haute. Je m'attendais à de l'émotion, je m'attendais à pleurer, je m'attendais. Voilà, peut-être que c'est la narration, peut-être que j'avais mis la barre trop haute, je ne sais pas, mais au niveau des émotions ressenties, à part de la colère, à part vraiment de la frustration parce qu'on se sent impuissant, eh bien, j'ai pas ressenti toutes ces émotions auxquelles je m'attendais et j'ai trouvé ça dommage. L'autre chose qui m'a un petit peu énervée, c'est cette histoire de Clay, parce que, comme je le disais, c'est anxiogène, on attend le moment où Clay va apparaître sur les cassettes et ce qu'il aurait pu faire pour contribuer au suicide d'Anna. Et là, arrive ce fameux moment où Clay apparaît sur les cassettes. Et c'est retombé, mais comme un soufflet, mais un soufflet géant, quoi. D'accord. J'étais en mode, mais tout ça pour ça. D'accord, j'ai pas compris du tout où l'auteur voulait en venir, j'ai pas compris pourquoi il a amené ça comme ça, j'ai. Voilà, personnellement, j'ai été assez déçue de cette révélation, si je puis dire, parce que. Voilà, je m'attendais à plus, je m'attendais à un twist de malade, je m'attendais vraiment à être sur les fesses, à me dire quoi, c'est pas possible. Non. Là, ça l'a pas du tout fait avec moi.
Donc voilà, c'est tous ces petits éléments qui font que pour ma part, je suis très loin du coup de cœur. Après, je regarderai tout de même la série Netflix parce que, bien évidemment, on n'en entend que de très bons avis et certaines personnes m'ont dit que la série était mieux que le livre. En tous les cas, je l'espère, une chose est sûre, c'est que cette narration un petit peu particulière ne me dérangera pas dans la série puisque en livre, c'est vrai que c'est assez atypique, c'est pas une chose qu'on voit souvent. Mais personnellement, j'ai eu un petit peu de mal, même si, comme je dis, on s'habitue. C'est pas une chose que j'ai beaucoup appréciée et à laquelle j'ai adhéré, malgré le fait que cette idée de cassette était quand même super originale au point de départ. Donc voilà, je fais un petit disclaimer encore une fois, même si je pense que c'est pas nécessaire de le faire, qu'il s'agit là bien sûr que de mon avis personnel. J'espère que quand vous lirez ce livre ou si vous l'avez lu, il vous plaira énormément, en tous les cas, plus qu'il ne m'a plu. C'est pas une déception, hein, on va dire. Je ressors pas complètement déçue de ma lecture. Mais je m'attendais à plus, on va dire. J'espère que cette vidéo revue vous aura plu, qu'elle n'aura pas été trop brouillon, parce que c'est vrai que j'ai mis pas mal de temps à essayer de regrouper mes idées, à essayer de vous faire quelque chose d'un petit peu complet, parce que comme je le disais, je ressors avec un sentiment très particulier de cette lecture, et c'est mitigé, mais voilà, c'est vraiment une sensation que je ressens pas souvent, parce que d'un côté, je suis un petit peu déçue parce que je m'attendais à plus. D'un autre, il y a des éléments que j'ai bien aimés, il y a des choses que j'ai pas aimées, la narration m'a dérangée. C'était vraiment très difficile de faire cette vidéo, mais j'espère tout de même qu'elle vous aura plu. En attendant la prochaine, comme d'habitude, je vous souhaite à tous plein d'excellentes lectures, une très belle journée, nuit, soirée, quel que soit le moment auquel vous regardez cette vidéo. Passez de très belles lectures, une très belle journée. Je vous fais plein de bisous. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Prenez grand soin de vous. Bye bye!